Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore un vlog. Donc oui, vous avez eu deux vlogs proches, mais j'aime beaucoup vlogger. Enfin bref, parce que aujourd'hui c'est un jour spécial et du coup j'ai voulu filmer. Donc aujourd'hui on est lundi 29 octobre, il est 10h37. Nous nous préparons pour aller à Saint-Omer, enfin pas loin, dans le Pas-de-Calais. C'est à 2h30 de chez moi pour aller visiter un élevage d'arabes boulonnais pour ensuite acheter un poulain de... Enfin, moi j'ai eu un coup de cœur en photo, mais on verra si en vrai c'est toujours lui ou pas. Enfin, en tout cas, ils sont nés entre février et juin, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a plein de mâles, donc on va regarder que les mâles en poulain. Et du coup, ben, je vous emmène avec moi. Donc c'est parti, let's go! Vendredi 2 novembre et je vais aller acheter du grain et une pierre à sel pour le poulain. Du coup, bah, comme c'est dans la préparation de son arrivée, je vous filme et je vous l'inclus dans le vlog. Du coup, je vous montre tout ça en rentrant. Du coup, j'ai acheté des surplus. On n'avait pas eu nos sacs qu'on voulait là pour les poulains. Enfin, pour le poulain, pardon. Et du coup, il arrive jeudi, donc en attendant, il sera nourri avec le grain de Nave, donc l'harmonie de chez Cavalor. Donc, c'est pas grave, mais jeudi, on a les sacs. Déjà, à Gamme Vert, j'ai acheté ce sac-là. Donc, pour faire 0,30 du Tradition Mix de chez Cavalor. Et tout le reste de ça. Donc celui-là c'est le sac à Santal, mais bref j'ai le même. Donc ça c'est un sac de 25 kg. Il nous a coûté je sais plus combien, mais enfin bref. Là c'est du mash que j'ai acheté à Decathlon. C'est celui-là. Daily Mash, donc 10,90 €. Ça ressemble à ça, hein, c'est du mash. Que je vais faire une fois par semaine pour le poulain. Et une à deux fois par semaine, enfin quand Navarre sera attelé après l'attelage. Donc ça c'est pour Navarre. Et le poulain, et de temps en temps il gribouille, genre il est à 0,25. J'ai fait tout ça d'achat. Du coup déjà j'ai acheté deux coupes gel. Donc c'est ceux-là, hein, de chez Decathlon, ils m'ont coûté 8 €. L'unité, du coup j'en ai acheté deux. Ça a tombé. Ensuite au cas où qu'ils ont la fourchette pourrie cet hiver, ou même quelquefois en prévention, j'ai acheté ce gel là, donc à 4,90 €, quelque chose comme ceci. Ensuite, j'ai acheté des friandises, donc déjà des studs muffins, un liquide pour mettre dans les box pour les poulains, pour le poulain, pardon, pour le mettre dans le box pour qu'il s'occupe. Ensuite, j'ai acheté deux pierres à sel, vous verrez bien pourquoi, enfin je pense que vous l'avez déjà compris, puisque j'ai ma langue, arrête pas de fourcher, mais... Il y en a une pour mon poulain, du coup voilà. Ensuite, une carapace de l'Himalaya pour gribouille en réserve. Et voilà, ça va tomber cette idée. Attendez. Et après, 3 kg de bonbons aux fruits rouges. En attendant, le salon du cheval de Paris 2018. Donc voilà. Ah aussi, j'ai acheté un ballon à 4,90 €, vous savez, pour mettre dans la carrière et pour que les chevaux puissent jouer.
Et voilà, du coup je l'ai acheté et mon beau-père doit le gonfler. Et ces ballons-là, vous savez, ceux-là. Et là on a acheté des aiguilles pour pouvoir le gonfler. Voilà pour les achats, donc moi je vous retrouve dans 2 secondes, mais pour moi c'est dans une journée. Voilà. Donc là on est samedi 3 novembre, donc j'ai eu le vent vers 1h30, donc voilà, donc le vent pour demain, pour aller chercher le poulain. Iris, donc là je l'ai préparé, donc j'ai mis le filet à foin dedans, il est vachement bien rempli parce qu'on a quand même 2h30 de route. Et si on fait un arrêt ou quoi, vaut mieux qu'il ait plus que pas assez. Le licol est dedans, enfin voilà, on est prêt en bas, enfin du coup on est prêt à partir, prendre la route pour aller le chercher. Donc demain c'est réveil 6h30 pour partir à 8h parce que on a des choses à faire, les animaux, les chevaux, enfin voilà, avant de partir. Donc voilà. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est dimanche 4 novembre, il est 7h10 à peu près. Et ça y est, c'est le grand jour, du coup le départ il est dans à peu près 50 minutes. Donc voilà, je suis très très contente de cette journée qui s'annonce, ce qui est plutôt logique. Du coup, voilà. Bon, voilà, comme je vous ai dit, tout est prêt, hein. Là il y a le licol, le filet à foin, et là je coupe des mailles pour qu'elles soient plus grandes, parce que sinon c'est des toutes petites mailles, donc pas terrible et pas facile à manger. Voilà. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là. Mercredi 7 novembre, il est 18h17, donc oui, Iris est arrivé dimanche, et je vous fais seulement l'outro de ce vlog aujourd'hui. Mais comment vous dire dimanche, j'ai quoi là, c'est là. Dimanche j'ai complètement oublié de reprendre le vlog, et après j'ai pas eu vraiment le temps, et j'ai été très perturbée toute la soirée par des problèmes personnels. Donc du coup, voilà, c'est pour ça. Mais là, j'y ai pensé à le faire parce que je monte le vlog ce soir. Donc pour le transport, Iris au début tapait dès qu'on commençait à rouler. Ou alors il arrêtait et après tapait dès qu'on s'arrêtait. Et au bout de 5 minutes, il a complètement arrêté. Il a compris que ça ne servait à rien. Il a été très sage, il mangeait dans le filet à foin. Ensuite, comme vous avez pu voir dans les extraits précédents, on s'est arrêté au McDo. Il n'a pas bougé non plus. Il mangeait, il était très très sage. Il y a un vent qui est arrivé après, il s'est garé juste derrière nous. Il a pas bougé non plus, il a été super sage, un amour. Ensuite on est descendu, on a galéré à le faire descendre en marche arrière parce qu'il ne voulait pas, comme le gars n'a que des bétaillères. En fait lui il voulait faire demi-tour comme dans une bétaillère parce que déjà il pouvait pas passer et nous on voulait qu'il recule. Donc on a galéré, moi j'ai pas réussi, donc c'est ma mère qui a pris le relais parce qu'elle a la plus d'expérience que moi. Et au final on a réussi et puis on l'a lâché en carrière un petit peu. Et après je l'ai rentré au box comme tous les soirs. En fait là il est lâché pour l'instant en carrière pour le récupérer facilement etc. Et il est tout seul pour qu'il s'habitue à nous. Et du coup la journée carrière et le soir en box, donc voilà. Il va très bien. Là, après cette partie-là, je vous mettrai à la fin des images que j'ai prises soit aujourd'hui ou dans le début de semaine.
Mais il va très très bien, il s'acclimate très bien. Là, ma mère a commencé à travailler en liberté avec. Et aujourd'hui, on a fait du pansage. Donc voilà. Voilà, voilà pour les nouvelles. Et l'élevage, je vous mets le lien du site, enfin des coordonnées, etc. Du site Arabo-Boulonnais où il y a justement le lien de l'élevage. Et voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de la fiche d'Iris si vous voulez. Voilà, voilà. Donc l'élevage, c'est l'élevage des marais de Terouanne à Terouanne, dans le 62, je sais pas trop le code postal. Et c'est Monsieur Maquignon, il me semble, l'éleveur. Enfin, de toute façon, tout ça sera répertorié sur le site. Donc voilà, donc moi je vous retrouve dimanche prochain à 8h. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Bye bye! Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? J't'observe bouger, tapis dans le noir.